Alors après Maurice, il fallait monter encore le challenge un petit coup. Et certains ont peut-être vu nos vidéos Game of Thrones. J'imagine que vous posez tous la question, comment en sont-ils arrivés là, à ce stade? Avant d'arriver là, de vous expliquer pourquoi, j'ai fait un super teaser. Je vais quand même vous montrer une des vidéos qui a fait le plus le buzz. Étudiants de l'EPFL, vous êtes libres. Libres d'aller à la bibliothèque, quand vous le voulez, de 7h à minuit, tous les jours de la semaine. Les bibliothécaires vous accueilleront. Allez-y pour vos études, il le faut. Voilà. Donc Daenerys présente les horaires de la bibliothèque, ça fonctionne à chaque fois. Maintenant, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Il faut savoir que ça a été un gros challenge. Je vous en ai parlé tout à l'heure, chaque année il y a la semaine d'accueil, donc qui est juste avant la rentrée, donc il faut savoir qu'il y a différentes activités organisées. Et pour la première fois l'été passé, en 2014, nous avons appris que nous allions pouvoir participer aux différentes séances d'accueil des facultés, qui sont des séances obligatoires, et donc toucher énormément d'étudiants en même temps. Sauf que, il y allait y avoir une dizaine de présentations en même temps, dans des lieux complètement distincts, éparpillés au sein de l'EPFL, que nous n'aurions droit qu'à 5 ou 10 minutes de présentation, et qu'on avait 3 semaines. Nous avons donc décidé de faire un petit brainstorming rapide, efficace, très sauvage. Et nous avons dégagé des points très rapidement. Pour nous, de nouveau, l'humour. Nous étions persuadés, enfin nous sommes toujours persuadés que c'est quand même la clé pour pouvoir toucher des étudiants en moins de 5 minutes quand ils se sont tapés, excusez-moi du terme, mais une journée complète de présentations plus ennuyeuses les unes que les autres. Si vous voulez marquer, l'idée, c'est quand même de les marquer, justement. Nous pensions qu'il était indispensable de faire la même présentation pour chaque étudiant, dans chaque faculté. Parce qu'autrement, on perd en cohérence, c'est un peu difficile. Du coup, le PowerPoint n'était clairement pas une solution adéquate, car préparer un PowerPoint pour des personnes, pour d'autres personnes, c'est compliqué, mais récupérer le PowerPoint de quelqu'un qui a voulu mettre de l'humour, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, c'est impossible. C'est non seulement impossible, mais en plus, souvent, on n'a pas le même humour, donc ça ne marche pas. Du coup, la vidéo qu'on venait de tester avec Maurice, on s'est dit, banco. Bon, par contre, 3 semaines, faire un film, vous l'avez vu, c'est pas possible. On l'avait testé, on savait que c'était pas faisable. Du coup, on s'est dit que peut-être on pouvait éventuellement faire des voix. L'une de nos grosses sources d'inspiration, c'est des parodies de La Chute. Je sais pas si vous avez déjà vu sur Internet cette activité. Donc La Chute, qui est le film où La Chute d'Hitler, hein, donc, qui est un film en allemand. Il y a beaucoup de parodies dans lesquelles vous voyez Hitler s'énervant avec eux. Un grand discours et des sous-titres qui n'ont rien à voir. Mais quand je dis rien à voir, c'est rien. Il faut savoir que cette idée-là avait justement été prise au sein de l'EPFL avec en fait, quelqu'un qui s'énervait sur Patrick Ebischer avec la voix d'Hitler, si vous voulez. Vous avez toujours ce décalage entre le visuel et le discours. Ça avait marché, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à copier là-bas-dedans, enfin, les récupérer. Du coup, on s'est dit que bon, les sous-titres, c'était bien, mais quitte à, on allait plus loin. On aime bien le challenge. Donc, on allait doubler un film ou une série pour présenter la bibliothèque. Là-dessus, on a dormi une nuit, parce qu'il faut quand même se reposer un petit peu après un brainstorming sauvage. Et c'est Game of Thrones, le lendemain, qui est apparu entre les discussions de certains, d'autres, avec d'autres, comme la solution. Pourquoi? Parce que Game of Thrones, tout le monde connaît. Même si vous n'avez pas vu, que vous n'aimez pas, vous en avez entendu parler. On savait que ça allait durer, on était au début. Je veux dire qu'on était en saison 2, 3, on savait qu'il allait y en avoir d'autres. Et puis surtout,
c'était un univers décalé avec la vraie vie. C'est-à-dire que c'est plus facile de faire parler un gros barbare que si vous prenez quelqu'un qui ressemble trop à l'étudiant. Le décalage rajoute à la notion d'humour et donc vous permet d'appuyer, de renforcer l'humour. Et pour nous, c'était pratique aussi. Et puis la vraie vérité, c'est qu'on est plusieurs fans. Il y avait 3 semaines et qu'on savait que si on partait sur un projet comme ça, il allait pas y avoir des gens qui étaient motivés et que Game of Thrones allait en motiver plus d'un. Ça n'a pas loupé. Donc comment on a fait concrètement? Donc on a d'abord choisi des scènes. Finalement, on reprend un petit peu la même chose que pour Maurice. Hein. C'est-à-dire qu'on a choisi des sujets qu'on voulait aborder. Des collections d'enseignement, les horaires, les imprimantes, voilà, du factuel. De nouveau, après, il s'agissait de trouver des scènes correspondantes. Donc là, on a passé du temps sur YouTube à regarder, voir quelles vidéos. Comme on était fan, c'était plus rapide. Il faut savoir que le choix des scènes, en fait, s'est porté sur 2 choses. Un, le choix des personnages. Il y a des personnages que nous apprécions, mais que les téléspectateurs apprécient, qui sont des figures. Et si vous passez par ces personnages-là, ce sera plus facile. Elles sont attendues au tournant. Ou des situations qui collaient à ce qu'on voulait dire. Parce que c'était un petit peu le mélange des deux. Et puis on s'est gardé quand même, on a gardé un garde-fou, c'était de ne pas spoiler, c'est-à-dire de ne pas révéler l'intrigue plus rapidement que la diffusion télévisuelle donc de la TSR. On s'est basé là-dessus parce qu'on ne trouvait pas juste si certains voulaient suivre la série. Donc on respecte aussi le téléspectateur qui est fan de la série, parce que si on lui montre certaines scènes, il nous tue. Et là, vous loupez l'humour, hein. Vous êtes lynché à la sortie. Le premier défi technique, c'était le son. Pouvoir enregistrer nos voix et les synchroniser ensuite sur des images. Il faut savoir que, comme je l'ai dit, on n'est pas des spécialistes. Hein. Donc finalement, le logiciel qui nous a paru le plus évident sur le moment, c'était celui qu'on connaissait, qu'on avait déjà plus ou moins touché, à savoir ScreenFlow, qui est en fait un logiciel pour faire des tutoriels. Parce que du tutoriel, c'est de l'image, de la voix, banco. On a en fait utilisé un micro extérieur à l'ordinateur, on s'est mis dans une petite salle de travail, on a posé le micro au milieu. Et puis, on était 3 pour faire les voix. Au début, on avait essayé d'écrire des textes, mais ça n'a pas fonctionné. En fait, ce qui a vraiment marché, c'était l'improvisation. C'est-à-dire devant l'écran, on a défilé les scènes qu'on avait choisies, et on improvisait, sachant où on voulait aller, pour que les voix collent aux bouches. Parce que le vrai problème, quand vous écrivez un texte, c'est que ça, le flux ne va pas fonctionner, hein, avec le débit des voix, les paroles, les mouvements aussi. Du coup, franchement... C'était de l'improvisation et on a bien rigolé. C'était vraiment un super moment. Je pense que ça va rester dans les bons souvenirs de cette expérience. Une fois le son enregistré, la question de l'image, parce que c'est pas tout, mais YouTube propose des images de piètre qualité. Nous savions que cette présentation allait être présentée sur des écrans plus grands que ceux-là, devant des amphithéâtres bondés. Des images pixelisées, c'était pas possible pour nous. On voulait un rendu quand même pas professionnel, mais de bonne qualité. Et là, ça a été l'enfer, je vais être honnête. En fait, c'est très compliqué de récupérer des images parce que les DVD, surtout spécifiquement ceux de Game of Thrones, sont irrécupérables. C'était très compliqué. On ne pouvait pas extraire en fait les images du document. Ce qui fait que la solution est arrivée au bout de quelques arrachages de cheveux et heures passées avec le logiciel qu'on avait déjà choisi pour le son. ScreenFlow est un logiciel de tutoriel qui permet d'enregistrer l'image que vous regardez. Donc en fait, ce qu'on a fait, on s'est assis dans notre ordinateur, on a mis les scènes qu'on voulait, on les a mis en plein écran, on a enregistré dans la meilleure résolution possible et on a obtenu des images de bonne qualité. Maintenant qu'on sait le faire, je vous garantis que c'est plus rapide. ScreenFlow, j'en parle, le voilà un petit peu plus concrètement. Donc c'est un logiciel qui vous permet de mettre une bibliothèque de sons, d'images, et puis après vous travaillez sur la ligne du temps. Concrètement, vous allez poser vos images sur les lignes. Vous pouvez les découper des bouts. Si un personnage, parce que des fois, ça colle rarement que la vérité, il faut enlever un petit bout, il y a un autre personnage qui arrive, on n'en veut pas. Ben voilà, il faut que le débit fonctionne. Donc on peut travailler l'image ici, et puis on appose les différentes bandes son à ce moment-là, en dessous en fait, si vous voulez. Ce qui s'est passé par rapport au son, une fois qu'on a fait ce montage, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait le son n'était pas... On était moyen parce qu'on n'était pas dans une salle d'enregistrement. Donc on a rajouté des sons qu'on a récupérés dans une base de données de sons libres de droit, en fait. Donc on a rajouté du vent, du bruit dans les feuilles, enfin des trucs, pour en fait faire quelque chose d'homogène. Parce que le problème aussi, c'est que souvent, on avait fait des enregistrements, et comme souvent quand on répète, c'est des bouts de sons qui sont bons. Et autrement, ça fait un petit peu comme dans le métro, quoi.
bonjour, c'est super bien. Donc, j'exagère un petit peu, mais ce logiciel n'est pas un logiciel de mixage de son. C'était son gros défaut, c'était ce qui nous a posé problème, et du coup, on s'est aussi vite rendu compte qu'en fait, il fallait vraiment qu'on soit dans l'improvisation totale, c'est-à-dire que la scène devait être faite en une fois. C'est pas de faux raccord. Bon, on va être honnête, le gros mérite de cette production, c'est son générique. Ce générique, c'est pas nous qui l'avons fait. Ce générique, c'est l'équipe du SAV et Jamani qui l'ont fait. Vous l'avez vu tout à l'heure. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où on a commencé à avoir des problèmes pour extraire les images, on a appelé le SAV. On a dit, comment on fait? On a des DVD, c'est l'enfer, on n'arrive pas. Ils n'ont pas réussi non plus, mais par contre, on fait un truc sur Game of Thrones. Ça vous dit un générique Oui. On savait qu'il nous manquait un lion, justement, on s'en rendait compte. Et du coup, eux étaient également en train de travailler en fait, hein, sur un logiciel de 3D, de choses qu'ils montrent. Je vous laisserai aller voir le site web de l'EPFL et sa plaquette. Vous comprendrez certainement la relation entre les deux. Mais du coup, ils nous ont fait en moins de 3 semaines ce générique. La carte existait déjà, elle avait été mise sur un site web auparavant. Enfin voilà, tout ne vient pas de nulle part. Mais vraiment, c'était une collaboration. On les remercie encore beaucoup parce qu'on sait que le succès de ça, c'est aussi ce générique. Enfin, on a pu du coup avoir un générique qui n'était pas juste un fond noir avec un titre. Parce que autrement, ça aurait été l'option, hein, genre. Hein, c'est beaucoup. Non, là au moins, ça bouge. On sait qu'on en quoi on est et le rapport à Game of Thrones est évident. En conclusion, nous étions un groupe de 3 personnes. Deux femmes, un homme, pardon pour le mélange. C'était bien de mélanger parce que pour les voix, ça aurait été un petit peu compliqué autrement. Quoique les hommes ne font pas forcément des femmes et inversement. Hein, on a mélangé, on aime bien mélanger les gens. L'échange de sujets des scènes, on a essentiellement travaillé par mail. Ça nous a pris 3 heures en tout. On avait 3 semaines, hein, donc on a été rapide. On était rapide. L'enregistrement du son, c'était 4 séances, 10 heures en tout. En gros, 3 heures de séance à peu près à chaque fois. La récupération des images, ça nous a pris 10 heures, mais 10 heures parce qu'on a beaucoup testé. Là, c'était à refaire, maintenant, en gros, ça prend... si une séance fait 2 minutes, je pense que j'en ai pour quart d'heure. Donc, du coup, c'est beaucoup plus court. Le montage, c'est le plus long. Comme on est arrivé à peu près au même résultat que pour Maurice, on est à 5 heures par épisode. 5 heures de montage, c'est long. C'est éprouvant, surtout en 3 semaines. Ça vaut la peine. Le générique donc a été fait par le SAV et Jamani. Nous ne savons pas combien de temps ils ont mis, c'est un mystère. On ne leur avait pas demandé en fait, mais du coup on leur demandera. Voilà. Les présentations donc, ont été faites pendant la semaine d'accueil par les bibliothécaires. Elles ont pu être appropriées, être présentées et être prêtes à temps. Puis sur YouTube, on les a mis en décembre, épisode par épisode. L'idée de l'épisode était justement ça, c'est que donc il y avait une version longue pour la présentation, sans générique à chaque fois, entre chaque épisode. Et après, on a remonté chaque épisode avec générique de début, générique de fin, pour pouvoir les faire le buzz petit à petit, voire les réutiliser en fonction de nos besoins. La gestion des droits, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, il y a un truc très pratique qui s'appelle, qui est le droit lié à la parodie. Vous avez le droit de récupérer des images, des films, c'est pas le complet du film, pour en faire une parodie. Donc on est bon à ce niveau-là, on a bien entendu noté à qui on devait, mais nous n'avons pas dû demander d'autorisation. Parce qu'aller demander à Game of Thrones, regardez ça. Pour... Et puis à George Martin, il y en a pour plus de 3 semaines, donc ça ne va pas être faisable. Ça aurait été difficile. Freesound.org, c'est un site sur lequel vous pouvez trouver des sons. Vraiment, il y a de tout, la nuit dans le désert, le bruit de feuilles, les bruits de pas. Voilà, c'est vraiment, ça vaut la peine. Et tout est en licence Creative Commons, donc après, vous pouvez récupérer les choses. De nouveau, nous avons publié après ces vidéos en Creative Commons, en CC BY, qu'on a sur YouTube. Le retour des étudiants. Alors déjà, on va être honnête, nous sommes très contents de nous, on va dire, parce que c'était un super challenge. D'ailleurs, je veux encore remercier ceux qui ont travaillé avec moi sur ce projet, parce que franchement, c'était dur et c'était chouette. Donc on est vraiment contents. Et puis, nous avons eu un très bon retour de la part des étudiants. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà fait des présentations devant 500 étudiants, ils n'applaudissent pas souvent la bibliothèque. Voilà. Ben là, oui. Et les gens, ils rient, et ils trouvent ça drôle, et ça fonctionne. Et ils sont épatés aussi que la bibliothèque ait pu faire ça, soit aller vers eux. Il manque une fin de phrase. C'était facile d'usage pour les bibliothécaires, c'est-à-dire qu'ils ont facilement pu se réapproprier ce média. Ils n'avaient plus qu'à appuyer sur play.
L'avantage aussi de ce format assez court, hein, en tout, la vidéo fait 7 minutes avec tous les épisodes, c'est que si on avait plus de temps, le bibliothécaire pouvait ou répondre à des questions, proposer une autre présentation à la suite, présenter le catalogue, voilà. L'un n'est pas incompatible avec l'autre, de loin pas, c'est une introduction au monde de la bibliothèque. Ça n'a pas valeur de tutoriel, ça n'a pas valeur de cours en ligne, pas du tout, c'est une introduction. Ça nous a permis donc de promouvoir notre nouvelle page YouTube, tout ça c'était en 2014, avec 2628 vues pour Daenerys, alors on n'est pas dans la même catégorie hein, que la page web, les médias de l'EPFL, mais c'est quand même un bon résultat, plus de 4000 vues sur l'ensemble de toutes nos vidéos liées à Game of Thrones. Et puis la suite c'est qu'on va essayer de faire 4 nouveaux épisodes pour la rentrée, et peut-être des sous-titres en anglais, parce que nous avons visé des étudiants bachelor hein, qui sont essentiellement francophones, mais nous avons eu quelques demandes pour des sous-titres et ScreenFlow permet de rajouter des sous-titres. Donc, ça devrait être faisable assez facilement. Je finirai par... Je suis nouvelle ici. Auriez-vous quelques conseils? Des conseils? De quel ordre, ma chère? Pour travailler en groupe, seul, vous voyez. Il y a la bibliothèque pour cela. À la bibliothèque? Vraiment? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de place pour travailler. Il y a beaucoup de travail pour les études. J'imagine. Vous y trouverez plus de 800 places de travail. Des zones calmes, des zones silencieuses, des bulles pour le travail en groupe. Elles sont réservables à l'accueil du relais selon le secteur. Vous pouvez également vous installer sur les poufs. C'est très confortable, les poufs. Voilà, nous arrivons au terme de présentation. Merci d'avoir ri. Et puis, si vous avez des questions sur toutes les différentes phases, quelles qu'elles soient, on est là pour... J'ai une question sur les droits et notamment sur la musique. Parce que j'ai compris le droit à la parodie sur les images, mais sur la musique, il n'y a pas... A priori, c'est la même. Enfin, c'est l'ensemble de l'œuvre. C'est l'ensemble de l'œuvre. On n'a pas trop creusé. On va être honnête, on savait qu'il y avait... Honnêtement, la musique, c'est celle de Game of Thrones, c'est une œuvre à part entière. C'est la musique originale. Ah oui, oui. Mais comment dirais-je ? Il y en a tellement d'autres qui peuvent attaquer avant nous qu'on s'est dit que d'ici qu'on a pris un petit risque sur ce coup-là, on l'avoue. Mais en même temps, refaire la musique, ça prend trop de temps. On savait que le risque était minime. C'est-à-dire que vous n'avez pas demandé au service juridique de les prévenir. On aurait pu essayer. Je pense qu'on attendrait encore la réponse. Ouais. Non, j'exagère, mais ils ne sont pas spécialisés dans le droit d'auteur, le service juridique. Oui, en fait... oui et non, non, enfin... Je l'ai oublié. En fait, le compte Twitter, on l'utilise vraiment essentiellement pour lors des rencontres. C'est-à-dire qu'on tweet uniquement à ce moment-là, pour l'instant. On ne l'a pas développé, du coup, pour nous, enfin, moi, j'avoue, je ne le vois pas forcément comme un outil de communication sur l'ensemble de l'année, mais vraiment ponctuel. C'est vrai que du coup, j'en ai pas plus parlé que ça. Il faut savoir qu'aussi, on a des... Ça, c'est vraiment les réseaux sociaux qu'on utilise de manière globale pour la bibliothèque. Et puis, on a des bibliothécaires qui, eux, ont leurs réseaux sociaux, utilisent les réseaux sociaux de manière plus personnelle, comme par exemple Twitter, enfin, pas personnel, mais personnalisé. Par exemple, Pierre Devaux utilise Twitter pour parler à sa communauté en sciences de la vie. Et là, c'est pas la bibliothèque, c'est une communication plus ciblée.
Donc c'est un autre compte Twitter. Un autre compte Twitter.